un label palier argent pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Ça valorise quoi, selon vous, les résultats de vos sportifs, vos installations, le travail au quotidien de toutes vos équipes? Oui, alors bon, on est des compétiteurs, donc on aurait aimé l'or, mais l'argent est déjà très bien. Et je crois que ça valide, comme je le disais, ça valide 20 ans d'idées, de travail et voilà, d'équipement qu'on a fait sur ce centre d'entraînement et qui permet d'avoir maintenant un outil vraiment considérable pour nos athlètes. Et je crois que c'était vraiment ça l'important. On avait beaucoup de retard là-dessus, en tout cas dans le ski nordique. Et maintenant, on n'a rien à envier aux grandes nations du ski nordique. Ouais. Le palier or, justement, il est accessible ? Oui, je pense qu'il est accessible. Après, peut-être il y a aussi des choses à ajouter encore dans les critères d'audition, notamment peut-être un critère de résultat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un critère de résultat qui avait été ajouté là-dedans, peut-être qu'on aurait des meilleures notes. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le ski nordique fait des fabuleux résultats. Mais voilà, oui, en tout cas, ça nous pousse à continuer à évoluer. Et le sport de haut niveau, c'est ça. Il faut sans cesse évoluer, sans cesse créer des choses, créer des équipements, créer des outils. Et donc, en tout cas, nous, on va continuer. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à l'or. Évoluer, innover au service de la performance, toujours plus de performance, c'est votre credo aujourd'hui ? Oui, c'est ça, parce qu'on est complètement persuadé que maintenant les médailles se jouent à pas grand-chose, parce que dans toutes les disciplines, les gens qui peuvent faire des médailles, il y en a une dizaine. Et donc ils ont leur capacité mentale, physique, morphologique, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est en premier, c'est eux qui vont faire la performance. Mais après, la différence, c'est voilà, chez nous, c'est la glisse sur une paire de skis. C'est des cartouches bien triées dans des températures spéciales. C'est une combinaison bien fabriquée. Et tout ça va faire que l'athlète va, une fois de plus, faire troisième ou quatrième. Donc, soit faire une médaille olympique, soit pas en faire, ou soit faire champion olympique ou médaille de bronze, ça c'est moins grave. Mais voilà, donc c'est tellement fin que, en tout cas, nous, on donne une importance à ça assez importante. Et parce qu'on est persuadé que maintenant, plus on avance, en tout cas dans le sport de haut niveau, plus ça va se jouer à pas grand-chose. Et donc, on aura besoin d'être bon, en tout cas, sur ce développement des outils de nos athlètes.